Entraîneur qui Real Madrid là, Carlo Ancelotti parler sous mercato estival club là. Il prend avec certainement aval président Pérez une décision forte pour res mercato 2024-2025 là pour été. Tap tap sen. Voyez l'argent by famille ak zanmi en Haïti pas compliqué. Ou même qu'à vivre l'autre bout de l'eau, qui pas obligé à aller dans une maison de transfert à cause de problème de temps pour vous l'argent, bah, il faut moi examiner en Haïti. Téléphone qui n'a mis là a facilité la tâche, l'autre télécharger application TapTapSend sur Google Play Store ou bien App Store. Mon gars Haïtien a pu recevoir l'argent sur compte mon cachet l'argile. Ou même qu'à faire transaction, c'est 4 débits ou besoin. Et l'autre utilisé pour mon code moyen, KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou bien $15 sur première transaction. Real Madrid a préparé saison 2024-2025 comme champion Liga 2024, champion Ligue des Champions 2024. Eh bien, équipe football ça saute fait une saison historique. Historique dans le sens que le gagné championnat d'Espagne avec brio et yo gagné Ligue des Champions pendant yo éliminé Bayern Munich, yo éliminé équipe Manchester City qui était quand même deux gros favoris parmi cinq gros favoris pour gagner Ligue des Champions. Donc Real Madrid éliminé City, il éliminé Bayern et gagné Dortmund en finale 2-0. Saison 2024-2025 là, c'est une saison qui gagne en pile exigence. Le Real Madrid avant saison en question pas de gain exigence pour al gagner trophée. Kaisa, c'est Kai qui plus exigeant qui gagne sur la terre. En saison qui pas gain trophée pour Real Madrid, c'est échec parce que yon même ambition par l'autre bagay que al gagne. Yon gagne 15e Ligue des Champions, là yon bat équipe Dortmund là 2-0, Vinicius avec Cavaral. Objectif là par l'autre que gagner 16e Ligue des Champions. Certainement, Real Madrid, c'est pas club qui gagne toute Ligue des Champions, pas aucun club depuis le Ligue des Champions lui-même qui commence dans l'année 1955 qui prend toute édition. Mais Real Madrid, c'est lui-même qui gagne plus édition Ligue des Champions 15. C'est plus gros club dans l'histoire jeune là. Yo toujours exigeant. Eh bien, l'exigence ça, côté club blanc lui-même, il est toujours affamé, il est toujours assoiffé. Il prend Kylian Mbappé. C'était un rêve qui était là depuis des années pour Florentino Pérez. Au final, rêve là est concrétisé par réalité ça. Mbappé pral porter maillot numéro 9 en équipe Real Madrid là. Donc Mbappé signé, présenté devant plus passé 80 000 spectateurs qui étaient venus garder Kylian Mbappé dans la présentation dans Santiago Bernabéu. Real Madrid qui a préparé une nouvelle saison, match amical, qui a joué contre l'équipe Barcelone très bientôt dans match amical pour préparer la saison 2024-2025. Et bien, dans ce sens, Carlo Ancelotti parlait de mercato estival Real Madrid là. On connaît que Real Madrid te gagne un jeune défenseur français que te vle gagner qui c'est Lenny Yoro. Et bien joueur ça parle dans l'équipe Real Madrid là. Lucien dans Manchester United. Mauvaise nouvelle pour joueur ça qui blessé dans match pré-saison avec Manchester United qui pourrait rater des semaines de compétition. Et bien équipe Real Madrid là te vle gagner Lenny Yoro. Malheureusement, il n'y a pas pris un joueur ça. Il a gagné Mbappé et il a gagné Hendrik qui a fait la saison 2024-2025 dans Real Madrid. Eh bien, le journaliste a posé Ancelotti une question autour de la saison 2024-2025 Real Madrid avec effectif ça. Je dis, groupe là fermé. Nous ne pouvons pas recruter pièce moun. Valéo tourné. À la bas à remettre lui pour le capable retourner jouer pour l'équipe Real Madrid là n'a pas pour évaluer joueur qui dans centre de formation moi penser pas gagner pièce départ pièce pour ne pas partir
nous gagnons un groupe spectaculaire ces déclarations Ancelotti. La première chose, on était dans moi penser pas gagner des pas pièce mon pas parti. Ça il quitter un petit porte. L'ouvrir et moi penser pas gagner des pas pièce mon pas parti. Si quand même il y a un off intéressant pour une à deux joueurs qui pas forcément dans plan premier Ancelotti, ça doit arriver que et Portland ouvre. D'ailleurs Real Madrid et si ça où voulez aller Portland ouvre pour vous, c'est comme ça Pires il lui-même comme président d'un club football ça. Mais Jean Ancelotti parlait hein, le dit il pensait pas gagner des pour Pierre Joao Pablo Batti, c'est ambiance groupe là. Ça veut dire là pas gagner mouchon, gagner satisfaction, gagner quelque content en dedans équipe Real Madrid là. La preuve Ancelotti parlait, il dit que il prend plaisir dans sa faire, il prend plaisir à entraîner joueurs ça yo, joueurs content, joueurs appris et c'est plus bon bagage qui capable arriver un groupe. Le en dedans groupe ça qui gagne compétition. Côté joueur, il y a une compétition entre eux pour titulaire, parce que pas aucun joueur qui t'a aimé souvent. Mais c'est une compétition saine. Côté, pas un bouchon, pas un joueur qui a énervé, eh bien, entraîneur a pris décision, on comprend la décision entraîneur, même le mingé doit pas content parce que mingé ambition, pam. Mais plus important, c'est pour bien collectif là. Et c'est ça qu'a fait André équipe Real Madrid, côté groupe là, content. Le Ancelotti dit que PS Mounbable est parti, c'est montrer, livrer, montrer que et qui sont vérité que en dans groupe ça pas gagner frustration qui capable perturber ambiance équipe Real Madrid là ça qui c'est un très bon bagaille. Kounye là monsieur parlait de Alaba, il parlait de Valeo. La première chose, est-ce que capable de remise en question sur groupe Real Madrid là? Est-ce que Real Madrid pas quand même gagner un gros effectif cap balle opportunité pour la gourmet sur toute table. Bon la première chose, saison 2023-2024 là, t'es gon scepticisme là kay mwen autour de l'équipe football ça sous possibilité pour le gagner sans un vrai neuf. C'est pas seulement moi même qui t'es sceptique, c'est le monde pratiquement qui t'es sceptique au regard de sa Benzema t'es quitté pour l'équipe Real Madrid la manque ça 30 goals, 5 passes chaque saison depuis saison 2018-2019. Et puis, on remplace Benzema par Ancelo. Et c'est là où on était pour Ancelo, c'est que tout mérite comme entraîneur. Je pense que saison 2023-2024, là, c'est la plus grosse saison Ancelo dans l'histoire sur le plan personnel. L'homme, c'est la plus grosse saison Ancelo dans l'histoire sur le plan personnel. C'est garder entraîneur là, Tevli, yon 9, tant qu'Aïken, Pérez, Pabalil, parce que objectif là, c'est 2024 avec Kylian Mbappé pour venir dans l'équipe Real Madrid pour saison 2024-2025 là. Eh bien Ancelotti fait ak sa que li gen nan mil. Fait ak sa gen nan mil bay ki résultat. Bay yon équipe Real Madrid qui champion nan Liga ak brio, c'est seul Atlético Madrid qui mettait do Real Madrid à terre. Et ceci c'est toute saison, c'est sur l'Atlético Madrid qui bat Real. C'est de ça qu'on a parlé. Là où on a plus passé 50 matchs. Match Coupe, match Ligue des Champions, match Super Coupe d'Espagne, match Championnat, c'est seul Atlético Madrid qui bat Real Madrid. Et Real Madrid gagné Ligue des Champions, Championnat, Super Coupe d'Espagne. Côté que lui rencontrer des adversaires, surtout dans des champions courias, mais le passé. Oui, ou capable parler de Vinicius qui prend dimanche en plus. Bellingham fait saison extraordinaire ça. Mais mérite l'en cas Bellingham, il doit venir directement avec un entraîneur qui fait un choix fort, qui prend une décision forte. Le lit décidé utiliser Bellingham comme yon 10 et yon 9. Moi dis yon 10
Parce que c'est nos 4-4 de losange. Moi, je dis en 9, l'équipe Real Madrid a déroulé en attaque. Eh bien, Bellingham, c'est lui-même qui rentre dans le mi-temps Vinicius à Koudigo qui ouvre. Et puis lui-même, il est comme 9 dans la projection. Donc, parti sous base ça, l'ogade, ça que tu as gagné dans la saison 2023-2024, perte de Karim et Benzema. Et puis, monsieur fait coquin chaîne saison ça. Eh bien, Ancelotti a tout mérite, c'est peut-être ça, mais je crois que saison 2023-2024, Ancelotti, hein, c'est la plus grosse saison que coach lui fait sur le plan personnel et obstacle que tu as gagné devant et précision, perdre Benzema, et malgré tout, lui arriver à faire une saison quand même historique. C'est énorme. Et ça, Ancelotti fait avec Real Madrid saison 2023-2024. Prenons d'accord au conseil de joueurs qui montaient en puissance. Qu'on y est là. C'est la saison 2024-2025 Real Madrid là. Effectif. Real Madrid gagne effectif. Ça que on t'a plaigné pour 2023-2024 avant saison 1, alors que Ancelotti saison 2023-2024 là dans saison 1 gagne, ou pas plaigné là. Manque 30 goals, 40 goals. Qui te gagne dans Real Madrid là pour un joueur potentiellement gagne là. Moi dit potentiellement parce que en potentiel à qui c'est deux bagages différents. On capable potentiel et puis le mettre sous terre en enfin. Donc potentiellement Real Madrid gagne joueur qui a balle 30 40 goals là. Mbappé. Ça que potentiellement Real Madrid pas gagné avant saison 2023-2024 là, donc potentiellement le gain. Kounye là, pas de course. Ça c'est perte majeure là. Pas de profil course dans le Real. Le mal de pas de profil course, mais pas de 11 joueurs. Mettez bien sous ballon, cap dit monsieur, m'gale rapide. Cap dit monsieur, m'gale rapide non? Posez, relax tempo. La temporise jouet là, la baye jouet là, rythme. Tony Kous, c'est joueur. Ou pas parler dans le stade là. Oh, monsieur fait goal, monsieur fait. Non, c'est pas lui-même qui est dans le stade goal passe. Mais il est tellement c'est une pierre précieuse en l'équipe ça. Ou pas qu'à passer de lui. Tellement lui énormissime dans l'entrejeu, dans l'organisation, dans la gestion, dans le contrôle mis en terrain. Y'a pas gagné. Valverde, Bellingham, Chouameni, Kamavinga. Yo pa kous. Nan orienté, nan organisé, nan réfléchi jouet, nan dicté jouet la. Gre curiosité, hein? C'est comment, on va regarder comment que l'équipe Real Madrid avec Ancelotti pour passer de ça. Parce que Ancelotti te toujours gagné modèle joueur sa yo. Nan gagné lio. Ancelotti te gagné Pirlo. Ancelotti te gagné Pirlo. Nan mel. Ces modèles joueurs qui permettent qu'on gagne. Ancelotti, en 2014, t'es gagné Luka Modric qui était beaucoup plus jeune, qui était capable de faire ça à tout. T'es gagné Xabi Alonso, t'es gagné Kedira. En 2022, Kouste là. En 2024, Kouste là. Donc, on va être curieux de garder comment Ancelotti peut l'adapter. Parce que Ancelotti, c'est le genre d'entraîneur, comme tu dis ça par l'heure. Qui a capacité pour l'adapter en fonction de l'effectif qu'il amène. En fonction du talent qu'il amène. En fonction du joueur qu'il amène. Ou qui doit avoir là, Arda Güler, carrément, monsieur, converti à Arda Güler. Parce que pré-saison, c'est des matchs qui permettent que plan ou satisfait de plan que ou pral mettre en place. Pas oublier Ancelotti, dans pré-saison 2023-2024, tu es joué dans 4-4 de losange. Et monsieur Rété dans 4-4 de losange dans la saison. Ça dit pré-saison, il dit en pile bagage sur ça qu'il fait dans la saison. Et ça, c'est l'autre effet. Je suis curieux. Quand il est là, sous la équipe Real Madrid défensivement. Perdu Nacho. Nacho, c'est ton cadre dans le vestiaire, mais ce n'est pas ton cadre Real Madrid comme on titulaire. Valé retourné à la bala. Là pour reprendre. Militaire retourné. Yogi Vasquez, Yogi Caval, Fran Garcia, Yogi Mendy. Real Madrid pas de problème en défense. Real Madrid t'est passé plus mal que ça. Pas oublier bon période Real Madrid. Pas gagné à la bas, pas gagné et tonton Sarah qui lui même relé Militao.
tous les deux a tourné. C'est vrai. À la base pour tourner un petit peu plus tard, mais là tourné. Ou dit pour l'autre dimension. Il y a Valéo là, Mendy là, Fon Garcia là, Vasquez là. Real Madrid pas de problème en défense. Real Madrid pas de problème en défense. Au niveau du milieu, me parler de Mancous là, mais Ancelotti si on rentre dans l'histoire, jouer dans une baguette magique pour l'adapter en fonction de la réalité qui paraît devant. Je suis curieux de comment je vais l'adapter avec la venue, avec un perte ou traite pour les courses. Et puis devant, c'est vrai ou c'est loin aller, mais doute qui était émettre avant saison 2023-2024 là, pas capable d'émettre dans saison 2024-2025 ou bien avant saison 2024-2025 en attaque. Non seulement Vinicius pour l'autre dimension. Là, on a parlé d'un joueur non abstrait ballon d'or. Et pour l'autre dimension. Et Mignon Mbappé, qui pas à 100%, a bon 30 à 35 goals toute compétition confondue. Toute compétition confondue, Super Coupe, Coupe du Monde des clubs, et championnat, Ligue des champions, Coupe. Mignon Mbappé qui a moins de 100%. 85%, mais 80%. La bon 30 à 35 goals. Parce que son tueur lié, son buteur lié. Pour aller jouer un ballon. Donc, Ancelotti dit que l'équipe est correcte. Moi, je crois que l'équipe est correcte. Moi, je crois que Real Madrid gagne un gros tonton effectif pour aller toute compétition en question sous saison 2024-2025. Parce que vous gagnez un gros tonton buteur qui vient jouer, qui c'est et Mbappé. Mais, ça prend curiosité, pam, et curiosité toute fanatique football, c'est comment Ancelotti va le compenser. Perte Toni Kroos là. Parce que Toni Kroos, c'est prestidigitateur là. C'est un cap régulier, c'est régulateur là. C'est organisateur de jeu, hein. C'est penseur là. C'est comme Real Madrid pour compenser ça. Les joueurs, mais qui pas profil Toni Kroos, et peut-être un acteur comme Bellingham pour aller anti-crasse plus bas par rapport à Jean-Claude Théry saison 2023-2024 là. Eh bien, Ancelotti dit que c'est fini, mais qu'à nous, ok, nous avons un groupe extraordinaire.